alentours de l'an 1200, le pays mandingue est morcelé en plus de 40 petits royaumes dont les souverains se donnent le titre de Mansa. Derrière chaque village passe ce qu'on appelle alors le petit chemin de la trahison. Le chemin où l'on dresse les embuscades. Les malchanceux qui se courent, qui ne courent pas assez vite pour échapper au pillage, sont amenés dans les villes, marchandes du Sahel pour être vendus comme esclaves aux commerçants maures ou arabes. Si quelqu'un s'indigne de cette façon d'agir, il s'entend répondre. Les poissons ne se mangent entre eux, regardez-moi ça. Et pas seulement par gourmandise, car les gros poissons mangent naturellement les petits. Nous devons empêcher les brigands de capturer les malinqués pour les vendre aux morts. Sinon, bientôt, ce pays cessera d'exister. Oui, je vais rentrer dans ma forge et fabriquer des armes. Mais ce sera pour vous faire la guerre, à vous, roi insolent du Mandingue. Je vous ferai boire du fer en fusion. Je prélèverai ma part de capture parmi vos sujets et j'irai les vendre sur les marchés d'esclaves. Yélimané, à l'ouest du Mali, aux portes du désert. Il y a 750 ans s'étendait ici un grand empire, l'empire de Soundiata, et l'or du Mali approvisionnait tout l'Occident. Que ferait-il aujourd'hui Soundiata? Que ferait-il pour nourrir son peuple et lui redonner sa fierté? Le 25 juillet 2006, une première équipe de l'Ops descend et arrive au Mali. Voilà. Le 25 juillet 2006, une première équipe de 9 personnes est arrivée au Mali. Nous allons travailler sur l'Iromera, Rosimoussala et Kremis Kakulu. Les trois sites où nous allons travailler sont Nyogomera, Gori Moussala et Kremis Kakulu. Les trois sites où nous allons travailler sont l'Iromera, Gori Moussala et Kremis Kakulu. Voilà. Oui. Maintenant, je vais vous présenter les 8 membres de l'équipe. Ah oui, les 8. Les 8 membres de l'équipe. Monsieur le Mankouan, technicien en riziculture. Monsieur Đồng Quốc Trà, technicien en maraîchage. Các bạn thân mến, nhân dịp đầu năm mới cho mình chúc các bạn cùng gia đình dồi dào sức khỏe và gặp nhiều may mắn. Thế là đã 6 tháng mình rời Việt Nam thực hiện nhiệm vụ quốc tế mà nhà nước giao trên đất Mali. Thời gian tuy chưa nhiều nhưng mình cảm thấy cũng rất dài. Đời sống của người dân thì quá khó khăn so với ở Việt Nam. Tết này mấy anh em cũng chuẩn bị một số thứ giống như ở Việt Nam, có gà,
sôi nếp, cũng sắm mâm ngũ quả, rượu, bia, hương nến để làm bàn thờ tổ quốc. Nói chung là có không khí Tết cổ truyền. Nhớ nơi đây thiêng đất trời, chuyện ngàn năm non nước tuyệt vời, tự hào thay một Việt Nam. Đây Côn Sơn kia bạc còn vàng, ông khói vươn cao đây nhà máy điện, những chuyến xi măng rộn ràng dây chuyền. Je verse. Oui, c'est bon. C'est bon, d'accord. On a saut de poisson. Ça, c'est la Je ne sais pas comment ça qui paiera. Bon, tu peux prendre. Non, tu peux prendre. Bon, moi, je fais des rap, mais je vends des riz dans les magasins. Bon, on est là, puis les riz, ça coûte 19 000 francs. 19 000 francs le sac? Ouais. 50 000 francs mouya kasuko kadugu je debali banko kabakoko anisino frata kata kata andesra kasino angile mane kadu antorola anyene na kota temne sisite bo wagere aina. Je suis encore jeune. Bon, je reste ici. Pour moi, c'est gâter ma vie parce que je pourrais être à peu près toute ma vie ici sans trouver rien. Donc, il me faut quand même de l'argent. Mais pas ici aussi. Ici, pour gagner de l'argent, c'est un peu difficile. Avant, on avait nos amis ici. On a plein d'amis qui sont partis là-bas. On était ensemble, on faisait tout ensemble, on couchait ensemble, tout, on faisait tout ensemble. Ils sont tous partis. T'as vu? On est resté ici. Des fois, quand on nous assoit au grain, bon, on fait que penser à eux, ils nous appellent au téléphone. C'est pour cela, toi, ensuite, tu mets en colère, t'as pas de main pour aller. C'est pour cela, bon, on veut aller. T'as vu? Pour gagner de l'argent. Parce que si je reste ici, donc, je peux pas devenir un patron ou faire quelque chose pour ma famille. Donc, nourrir ma famille, bon, aussi, donc. Il me faut aller quand même. Rester ici, non, moi j'aime pas.
Maseka Mifamo Yakasuko Kadugudje Dabali Banko Kabakoko. Les prix des transports élevés, les problèmes environnementaux, les marchés de Yilemane semblent être ingrables. L'assainissement n'est pris en compte. Des ordures partout. Et Allah, les dirigeants, il n'y a pas de solution pour en sortir Yilemane dans ces différentes crises. Parce que le développement de Yilemane n'est pas entre les mains du gouvernement. Vous avez dit que ça va aller. Jusqu'à présent, ça ne va pas. Toujours, c'est le même scénario. Black Master veut le changement en Dabalibana, en Kabakoya. Jiko bana kuranko bana angafeng songo kacha ni dona yilemane sugu kono ibe alaka li kosaka genyero umu jibe kabona fambe fe. Il y a même des gens ici qui cultivent, mais quand on à la fin des récoltes, ils ne trouvent rien de tout. T'as vu? Ici, je peux dire que ici, c'est les gens qui sont en France, c'est eux qui nous nourrissent tout. La France c'est très difficile. On dit ça, bon, même si nos frères qui viennent ou nos pères qui viennent, ils rencontrent que la France, bon, c'est comme ça. On se lève le matin de bonne heure à 4h du matin ou 5h du matin pour aller travailler. Et nous ici, nous on couche. Nous sommes là, on se réveille jusqu'à 9h comme ça. Bon, on sait quand même en France c'est très difficile. Mais ce que j'ai, moi quand même, j'ai en tête. Et je sais qu'il y a plein de jeunes aujourd'hui au village qui ont ça aussi. Pour venir avec quelque chose de plus important, il faut que tu parles là-bas. Donc, et maintenant, pour gagner d'argent, bon, pour vivre bien, chez moi quand même. C'est la maison des migrants. C'est un migrant ça, qui travaille en France. Là. Pour faire ça, c'est pas petit. Il faut de l'argent. Oui. Celui-là, il est le chef responsable. Là, c'était un taureau qui a été acheté à 250 000 francs. Maintenant, c'est nos frères qui sont en France. Bon, ils contribuent à cela. Bon, chacun se dit, bon, dans ma famille, tu envoies 10 000 francs de viande. D'autres disent 20 000 francs. D'autres disent c'est 15 000 francs, ainsi de suite. Bon, ici, la viande est distribuée comme ça. Les migrants, ils contribuent à la nourriture. Bon,
tout, ils contribuent à la vie sanitaire du village, bon, la santé, bon, l'éducation, bon, bon, la nourriture, ils contribuent tout ça. Vous voyez notre établissement scolaire là, ce sont les migrants qui ont contribué à ça pour faire ça. Bon, on peut vivre, on vivait avant qu'il y ait les migrants. Comme avec ces années bon, de 72 à nos jours, bon, les années pluvieuses, bon, ça varie. Ça peut faire 2 ou 3 ans, il n'y a pas assez de pluie. Bon, ainsi on a eu la chance que d'avoir ces immigrés en France. Bon. Définitivement, on ne peut pas éternellement continuer comme ça. Alors qu'on a des terres ici, si on les met en valeur, la famille sur place peut contribuer à beaucoup de choses. S'il faut chaque fois que nous dépendons de l'extérieur. Bon, on va aller sur la suite, hein? On va voir la suite, comme ça on peut causer ensemble sur la suite. Alors surtout ce sont des propositions, ouais, c'est des propositions. Parce que c'est après, ça va être à vous, au chargé de programme, Monsieur Diarra qui est à Yélimané, avec le service local, agriculture, génie rural, travailler ensemble. Mais aujourd'hui, c'est plutôt qu'ils nous fassent part déjà de leurs propositions, déjà pour un peu connaître leurs idées, savoir qu'est-ce qu'ils pensent. La question c'est, quelles sont vos idées, le futur, comment vous voyez la riziculture, les aménagements à faire, qu'est-ce que c'est possible selon vous de faire? Voilà la question que le chef de village a posée aux Vietnamiens ici présents. Trong thời gian tới đấy, sẽ làm theo như nào cũng như là chỗ quang cũng vẫn là có thể là nói làm như nào đấy.
c'est pour vous voir la nappe. La fermeture de la nappe qui, de l'eau qui vient, c'est pour vous faire montrer, pour vous faire montrer que tout ce qui, l'eau qui quitte à l'est, tout ça passe par ici. Ouais. Il y a une partie qui va vers la Mauritanie, dans le nord. Alors il explique que tout le courant maintenant, la majorité du courant va vers le nord. La force s'écoule vers le nord. Ce qui fait que finalement moins d'eau arrive vers le sud. Et par ailleurs ici, c'était cultivé par les gens de Crémis avant. Mais aujourd'hui, c'est fini parce que l'eau, ça n'inonde plus ici. Alors qu'ici, c'était cultivé par les gens de Crémis. C'est ce que j'ai compris en tout cas. Sinon, avant, on avait des cultures de riz. Dans les champs, on avait tout. Même ici, dans l'été, on cultivait le maïs. Parce qu'il y avait toujours la boue qui restait par terre. Et maintenant, ça diminue carrément. D'accord, c'est ce marigot qui se creuse de plus en plus. Ouais. Du coup, l'eau n'arrive plus à inonder la plaine. L'eau ne peut plus monter. Parce que ça fait un montage, quoi. Donc ça, ça fait partie de ça, alors? Oui. D'accord. Donc d'après le rapport de formulation écrit par la FAO, voilà ce qui est dit. Le bas-fond de Sangadou est situé à l'ouest du village de Kakoulou qu'il exploite en culture de décrue. Il est plat et couvre une superficie d'environ 100 hectares exploitée par plus de 50 familles. En aval, le bas-fond se termine par deux bras rétrécis favorables à l'installation d'un micro-barrage. Alors cette année, il est prévu, M. Zouane, à travailler sur ici l'aménagement sur de 2 hectares de riziculture, ce qui est dans le document. Il faut faire la mare pour entretenir de l'eau. Pour tenir l'eau. Oui, pour fouler de l'eau sur la terre. Oui, pour arroser les 2 hectares de riziculture. Et quand de l'eau part, avec ces utiliser machine pompe. La machine à pompe, oui. Pour arroser ici. Les 2 hectares. Oui. Après, cultiver le riz. Pas longtemps, maraîchage. Le maraîchage, oui. Le maraîchage, oui. Utiliser 2 puits au fond. D'accord. Saison 2006. 2007. Faire 2 hectares. 2 hectares. Oui. Ouais. Après bon résultat. Bon résultat, oui. Vont faire pleine Sangadou. Oui. Ah, mais tu es. 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 Ah, mais tu
Oui, ça, il faut couper. Parce que le courant, il faut couper pour vendre. Laissez après un jour, deux jours. Ça, mais bon, 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 bon. C'est bon. Comme ça, côté couper, couper. Ça aussi. Tout ça. J'espère que cette année, on va les revendre des banques. Ça nous fera beaucoup plaisir. Ah oui. On vend ça à Gorin. Vous avez montré des sachets de grains de pommes de terre. Non, grains pour hybride. Ouais, hybride. Après, on va se piquer. Papa va manger première saison. Mais va manger. Pour que toutes les semences saison prochaine. Ah, une seule saison. Oui. Ça là, si ça produit des graines. Non, pas comme ça. Non, non, pas comme ça. Pas comme ça. Après, recompter toute sa pomme, très petit, petit, pour laisser à la maison donc 3 mois, 6 mois. Pour... Ça va chauffer. T'es pressé, non? Pas pressé. Mais c'est comme ça. Faut que ça chauffe. Faut, après on va mettre. Je veux un peu. Oui. Monte. Oui. Monte. Oui. C'est pas chaud, attends. Oh, c'est bon. Non. C'est pas chaud. Voilà. C'est fini. Tu veux rendre la mousse? Oui. Je sais pas faire. Tu sais, attends. Ça va faire beaucoup. Bon. Ça va faire beaucoup de mousse, tout de suite. Tout de suite? Ouais, de quoi? Depuis moi, mon premier jour au Vietnam, depuis le jour où nous nous sommes rencontrés à l'aéroport du Vietnam, bon, il a été nous accueillir là-bas. Depuis ce jour jusqu'à nos jours, actuellement, il y a une ambiance d'amitié qui règne entre nous. Là. On dirait que nous sommes des mêmes pays, soit du Vietnam, soit de l'Afrique. Vraiment, c'est formidable quand même. Avec lui. C'est quelqu'un qui est très ouvert. Alors, non seulement il a l'amour de son travail, bon, il a vraiment
l'amour, il y a l'amour de son prochain, quoi. Il est courageux aussi, travailleur. Seulement la peau et la langue qui nous diffèrent, sinon nos idées sont les mêmes. Bon, nous sommes presque dans le même bateau. Voilà. Non, c'est bon. Công việc thì cuộc sống buồn tẻ như vậy, điều kiện thì khó khăn giống như ở Việt Nam từ 6-70 năm trước. Nhiều khi là mình thấy nó rất buồn bực chán nản, nhiều khi là mình cũng muốn quay trở về Việt Nam. Nữa về bạn bè ở nhà, đặc biệt là gia đình, nói chung là rất là nhiều khi là rất thấy cô đơn. Có nhiều đêm không thể ngủ được. Trong thời gian sắp tới về công việc thì theo cái chương trình của dự án thì nó cũng không thực sự vất vả, nhưng cái nỗi cô đơn này mình nghĩ rằng sẽ dần dần là thôi đi. Và đến một lúc nào đấy thì có thể mình lại thích ở đây, không thích quay trở về Việt Nam nữa. Mình nghĩ là sẽ như vậy. Ani sogoma kaujam. Ani sogoma. Ở đây ngân hàng cái chỗ đèo kiểu quỹ tín dụng của mình ý, nếu mà người dân làm theo như thế nó có được không? Quá khó. Tiền bơm nước phải tính, chứ không phải là anh làm mô hình mà anh không tính tiền bơm nước ở đấy, đúng không? Cái chuyện mà đi bơm nước của cô vừa rồi đấy là nó không có việc đi nào mà thôi. Mà sau này mới bơm ra thì tự không phải sử dụng lấy chứ. Còn cái chuyện hôm qua cái việc của tôi là chỉ quy hoạch đấy chứ. Tính ra này đấy, hôm
qua đi gần đây cái vườn xoài ngay ở cái chỗ chân đi nêu với ga này, trên đường về đấy hôm qua thì non thấy nó đang rào một cái vườn xoài, cây xoài to thế mà tận dụng cái nước ngầm của khi anh tưới thì nó ngấm ra, thì cái riêng hàng xoài đấy thì tuyệt vời, quá to thế này ngay vườn Việt Nam ở Kangkulu đấy, cái mục đích muốn truyền bá cái tư tưởng đấy mà đi Trung Quốc thì sang đây rồi. Comment s'appellent les arbres là, hein? qui sont là-bas, les arbres qu'ils ont fait sur la colline, sur la colline là. Les arbres qu'ils ont fait, ils ont fait beaucoup d'arbres là. Ah, ouais. C'était un endroit qui était désert. Ouais. On a fait le bombardement, tout dévasté, mais eux ils ont refait encore pour faire beaucoup d'arbres là. Oui, oui. C'est une dingue. C'est quoi là? Ici. C'est ça. Plan. Plan, ça. Tu sais, avec la terre sec là, hein? Oui. Si tu fais une diguette dans la. Très difficile. Dans, bon, si l'eau est venue seulement, comme c'est sec. Après, ça, voilà, oui. Voilà. Quand il y a une première inondation, maintenant la terre est très. Bon, maintenant tu peux utiliser ça pour faire des diguettes. Bon, même si l'eau si l'inondation revient encore, ça ne peut pas emporter quoi. Avec mon canal en béton, ici après 50 ans encore, peut-être comme ça. Oui. Mais dans vos sam, le fond Thiago Zutka là-bas, c'est qu'à ici, là-bas aussi. Et puis, ah bien. Tu vois, il n'y a pas de frontière. Il n'y a pas de frontière. Ah oui, d'accord. Oui, si on arrivait à aménager cette superficie que tu vois là, si on arrivait à aménager ça, qui a un peu de retenue d'eau, mais ça serait comme le Vietnam. Il faut travailler d'abord petit à petit là-bas dans une sombre, une sombre, peut-être 20 ou 40 hectares. Vous pouvez commencer d'abord avec 1000 mètres carrés, voilà. 2000 mètres carrés, 3000 mètres carrés, petit à petit. Après. On va continuer. Voilà. Ça, c'est... Oui, oui, oui. Pour la calida. Non. Tu te rappelles d'ici? Ici, c'est pour... Bépinfa. Au bord de la mer. Oui. Ah, c'est au bord de la mer. C'est très joli. C'est ma première fois de voir la mer. Bon, je suis le seul devant. Mais j'avais peur, je crois qu'il y a le caïman. J'étais au bord de l'eau. Alors que dans la mer, il n'y a pas de caïman. Mais c'est au bord de la mer. Pendant la nuit. Oui, pendant la nuit. Ah, pendant la nuit. Dîner.
Un dîner de gala. C'était bon. Très bon. T'es joli. Déjà bien mangé. Oh, bien mangé. C'est vide de bien. Non, c'est vide de Tianjin. Tianjin. Oui, c'est vide de Tianjin. C'est vide de bien. Oui, c'est normal. L'hôtel. Ah, le grand hôtel. Raison. Aujourd'hui, on filme donc le creusage de curage des canaux et de compactage des digues. Un travail vraiment, vraiment les gens très courageux parce que la terre est très dure. Et voilà. En tout cas, tout le monde est mobilisé aujourd'hui pour que on ait le 14 juin, dimanche 15 juin, pour que d'ici la fin du mois, tout soit prêt pour les pluies et qu'on puisse faire les tests et puis voir si vraiment le riz, ça vaut la peine de travailler dur pour pousser du riz ou s'il faut continuer à l'acheter.
Bon, quand il y a ça, peut-être que Allah a un macan qui a été kahmami. Yo, Allah tige ya ça, ka asunto no honi. Yo, keda komi ya ba koma ngara kuma ko kote yeni bo kenga na gahe. Ba kenu makka ke yi nya ngu makka ngole alingen de ma ngole ko te. Yo, ngi kan di nya mu na ka ma ka ni saru Allah bila manga yi ki andi de ngana har bo tun hilli kira ma ci ko. Kita bila no ta ga ngi na ke ko ja ka. Namaru. Lere. Bon, là, ça dépend là. Je sais que je ne suis pas trop indépendant hein, parce que les frères qui sont en France, oui, eux, ils sont financièrement autre chose, le forum. Mais moi qui suis dans la famille, je travaille, je fais l'agriculture. Chaque jour, s'il faut manger du riz chaque jour, il faut 5 kilos par jour. Le mille aussi, si. Ça fait 9 kilos. C'est une grande famille, presque 43 à 44 personnes. Bon, si le mille n'est pas suffisant pour toute l'année, bon, ce sont mes frères qui complètent. Moi, je ne suis pas, je dépends pas d'eux, ce sont eux qui dépendent de moi. Si j'avais les moyens, ce que mon désir aujourd'hui, c'est d'étudier. Mais je n'ai pas abandonné l'école parce que je ne connaissais rien. J'ai abandonné l'école, ça fait. J'étais torturé dans mon âme quoi, à l'école. J'ai commencé à avoir des problèmes de logerie. Bon, là où je fréquentais l'école, c'était très dur. C'était un peu très dur quoi. Est-ce que les jeunes de Yelimane, je ne sais pas ceux qui sont à l'école, mais les jeunes actuels, est-ce qu'ils seront aussi capables de se mobiliser pour travailler comme ça? Mais maintenant, pour que ces enfants-là se mobilisent, pour travailler la terre, pour se mobiliser, parce qu'eux aussi, ils auront l'ambition que je veux partir en France ou bien je vais partir en Amérique pour amener de l'argent comme ça. Alors que voici quelque chose qui a été créé pour que le cercle Yelimane soit un cercle d'agriculteurs, un cercle qui produit beaucoup du mille, du riz et autres choses. Mais ces enfants qui veulent toujours partir à l'extérieur, est-ce qu'eux ils seront... Et est-ce qu'eux auront le courage de se mobiliser pour rester au village?
cái cuộc sống ở đây khi họ đến thì họ chỉ có rất nhiều người đến họ chỉ làm việc trong vài tháng, thậm chí trong vài ngày. Một số người nước ngoài đến đây thì cái đầu tiên là họ hỏi, khi họ biết mình ở Việt Nam ở đây 3 năm thì cái đầu tiên họ nói ra này, họ cũng bắt nên họ ngạc nhiên là họ nghĩ mình là những người thậm chí là người điên, rồi là đặc biệt là người kỳ lạ, một chút gì đó điên rồi. Còn mình thì mình muốn là thứ nhất là mở rộng cái tầm nhìn 3 năm để đẩy lại những cái thứ đó thì nó cũng Madame, vous cessez le poulet. Poulet. Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. On peut cesser. Là, mình nghĩ rằng họ chắc là vì những cái điều kiện lý do khác nhau nên họ mỗi mục đích của mỗi người là khác nhau, đó là họ nghĩ như vậy. Ça va, ça va très bien. Kanyaga. Oui, ça va. Et la famille? Karungomo. Toran Sundia. Toran Sundia. Majum. Anajum. Anori. Oui, ça va. Alors. Et au sens, c'est comment? Vous avez raconté? Non, je suis pas d'accord. Ah, d'accord. Pas d'accord. On va raconter aujourd'hui, ça? Ou bien? Bon, je crois la semaine prochaine. Semaine prochaine? Merci, dame. C'est les, allez, voilà, les enfants, ça? Oui. Ça va bien? Ils vont très bien. Nói chuyện về bên này con gái thì cái đầu tiên thì nói chung là so với Việt Nam thì Toran Sutia Majum Karungko Anori con gái của Châu Phi thì đặc biệt là gần như là số 100%. Họ sinh con rất nhiều, ngoài 20 tuổi đã rất già xấu, ngoài 30 tuổi thì giống như ở Việt Nam theo mình nghĩ là phải đến khoảng 50 tuổi gì đấy, rất khó khăn. Mình không nghĩ rằng là mình sẽ có bạn gái hoặc là người yêu rồi là người tình ở bên này. Thế nên là cái cảm nhận đầu tiên là không, gần như không có nghĩ gì đến. Cuộc sống thì dần dần trôi đi. Le temps va. Pour moi, c'est le dimanche. Pour moi. Les oiseaux qui viennent. Oui, bon, monsieur, moi, ici, pas d'oiseaux, mais. Pas sur le. Pas bon.
Pour moi, 70. 90. Voilà, c'est ça. Oh, c'est, le son, c'est Onagi, c'est maximum. 250 ou 300, c'est maximum. Ah, c'est bien ça. Et aussi, mais c'est. Si ça est dans les conditions plus que ça, ça peut faire. Oui, oui, c'est sûr. 215 et 250. C'est bien, c'est bien. Je me rappelle lorsque je suis parti au Vietnam, à Jong, voilà. Voilà. Après la station de pompage, voilà. On était voir le champ de riz. C'était pareil comme ça. Tout. Oui, tout comme ça, c'est même. Bon. Une année prochaine, c'est le Vietnam, ils sont partis. Vous faites tout seul? Oui. Ah, oh, c'est bien ça. C'est... Mais ça là, moi je fais tout seul avec. Oui, je sais. Voilà. Ouais. Donc, ce qui me manque, ce sont les de l'engrais. Ouais. Bon. Attention, ça glisse. S'il plaît à Dieu, sans la maladie ni la mort, je veux augmenter encore la superficie. Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre sur France 24 dans l'actualité. La nouvelle chute des marchés financiers affolée par les signes de récession. Wall Street plonge ce soir et les bourses européennes ne sont pas en reste. Elles ont toutes dévissé et perdent entre 4 et 5%. Les marchés sont aussi rassurés par le prochain sommet mondial sur la crise financière. En tout cas, la date des menus ont été fixés ce mercredi par la Maison Blanche. Ce sera le 15 novembre prochain à Washington. L'objectif est d'éviter dans les prochaines années un nouveau tsunami financier. Et puis le trajet du Tour de France 2009 a été décollé ce mercredi. La grande nouveauté sera l'ascension du Mont Ventoux avant l'arrivée à Paris. Khi đi xa luôn nhớ hai xứ hương, nhớ nơi đây thiên đất trời chuyện ngàn năm non nước tuyệt vời, tự hào thay một Việt Nam đầy Côn Sơn kiếp bạc còn vàng. Madame, comme ça, pardon ça. Ça. Ah, j'ai dit ici. Ici. C'est bon aussi. C'est bon.
Là, viens, viens. Sako, Sako, viens. Ça c'est un problème. Est-ce qu'on peut enlever? Oui. C'est lui qui connaît beaucoup trop bien. Voilà. Mariam, bon. Magadji. Ça. Ah, Mariam Magadji. Ah, voilà. Après, tu vas mettre les semences de l'autre côté ce matin aussi. Non, arrête. Ah, d'accord. Mais après, lui, son idée à Tia ici, c'est plutôt de faire une clôture avec moustiquaire. Clôture avec moustiquaire. Clôture avec enterré oui, en bas oui, oui, pour empêcher sais. Les crapauds de rentrer 40 cm. Tia, c'est ça? Oui, 40, c'est bon. Là, c'est la salade. Oui, plat de salade. Salade. Ouais. Et c'est pour... Voilà, voilà. Très bien comme ça. Voilà. Voilà, tout est bien. Moi personnellement, je sais que quand je serai vieux, bon, je vais me rappeler de ces années-là où j'étais au Mali avec des Vietnamiens à essayer de faire pousser du riz dans le désert, enfin dans le Sahel. Mais il y a beaucoup de choses que je garde que pour moi, quoi. Et toi? Et moi aussi, c'est une chose, il n'a pas beaucoup de temps, c'est pour que j'ai découvert sur la vie quotidienne africaine. Vraiment aussi, c'est, j'aime bien. Parce qu'ils sont très, très pauvres, avec ces, dans une condition de la vie très, très difficile. Alors, comment c'est pour le monde se va changer la vie comme on l'a quelquefois entendu. C'est comment on va changer la vie. Oui, j'ai déjà pensé comme ça, mais c'est moi-même, c'est tout seul, c'est tout petit. C'est pour que ça, mais j'ai déjà pensé comme ça. Mais entre ce que tu connaissais de l'Afrique avant de venir au Mali, et maintenant, tu as vécu 3 ans, tu as vu la réalité ici. Oui. C'est quoi? Qu'est-ce qui est différent? Mais c'est, maintenant, je comprends, mais pas beaucoup, mais c'est, je peux dire, je comprends, c'est, ils sont pauvres, c'est comment ils sont pauvres. Mmh. Et aussi, la condition de la vie, c'est tout difficile. Mmh. Vraiment. Bien vrai que des fois, là, c'est pas facile, on en a ras-le-bol, il nous fatigue, il y a toujours trop de problèmes. Mais à côté de ça, ouais. Peut-être moi, je vais partir travailler un peu
Canada ou retourner en France travailler, je ne sais pas trop. Mais quoi qu'il en soit, si je rencontre un Africain, puis alors surtout s'il est malien et puis qu'il vient de Yélimané, moi je crois que je vais sauter dans ses bras. Hein. Ah bon? Ah oui. Tellement je vais être content là. Ils sont presque très gentils et beaucoup de sentimental. Beaucoup de sentimental? De sentiments? Ouais. Comment? Ouais, sentimentaux. Ah oui. Ouais. Là-bas, derrière, ça n'a même pas fait des épis. Mmh. Parce qu'il n'y a pas d'eau. Oui, d'après toi, l'an passé, je me rappelle, tu m'avais, moi je voulais tout faire à la même fois, mais tu m'avais dit non, pour la réussite, il faut aller petit à petit. Mmh. Oui, on m'a dit ça. Mmh. Mais c'est cette année, je crois que c'est vous n'avez pas besoin de payer de riz, payer de maïs, payer des sangos, c'est pour nourrir la famille. Oui, c'est quoi ça? Oui. C'est pas besoin de payer. Oui, comme les autres, vous allez passer. Oui. Pas besoin? Oui, enfin, même si je dois payer, ça sera moins quand même. Oui, oui. Parce qu'avec une famille de 43 éléments, c'est pas petit à nourrir. Oui, bien sûr, c'est pas petit, mais c'est ça que vous allez gagner, c'est les tonnes de riz. Est-ce que c'est premier année, c'est vous n'avez pas besoin de payer les nourris? Et c'est cette première année. Ah, ou bien? On a beaucoup de travail à faire dans la vallée. Beaucoup aussi. Je veux vous donner un conseil. Vraiment, ça. On a besoin de faire beaucoup de courage, oui, oui. Encore. Mais d'une façon, moi, le courage, ça ne manque pas. Mm-hmm. Une petite histoire, lorsque les gens m'ont choisi ici, la localité m'ont choisi ici pour aller au Vietnam, c'est ma localité qui m'a choisi pour aller. Oui. C'est le front de guerre, c'est le front du combat. Je vais y aller, même si je dois mourir. Ce qu'on m'a envoyé dans une ville. Mais c'est ce courage-là, c'est ce courage-là qui m'anime. Jusqu'à présent, je vois l'image du paysan qui est dans son champ, ouais. son pantalon retroussé, voilà. Avec ses buffles dans sa rizière en train de cultiver dans la boue. Ouais. Mais je me suis dit, bon, au Vietnam, bon, il y a beaucoup de riz. Des gens sont bien nourris avec le riz. Et ce riz-là sort du Vietnam encore pour aller nourrir d'autres. Mais c'est cette manière de cultiver. Pourquoi nous aussi, on ne peut pas cultiver comme ça? Ouais. Chaque jour que je pense à ça, ça me donne encore du courage. C'est du tonus. Ce paysan a été du tonus pour moi. Un jour ou l'autre, le fils, le riz
proviendra de Yelmane. On dira l'officierie de Yelmane. Inch'Allah. Je vais vous dire. Avec du nom là.